Alors à la base, je suis historien de l'Antiquité, j'ai un parcours d'histoire ancienne de grec et de latin, donc rien à voir avec le management et je suis secrétaire général d'une grande institution culturelle et musicale à Genève. Alors justement, comme j'ai ce parcours littéraire, mais que dans ma pratique professionnelle maintenant, je suis amené à envisager l'activité de l'entreprise de manière beaucoup plus large que simplement son activité musicale, j'estimais qu'il me fallait quelque chose de beaucoup plus ouvert, une boîte à outils beaucoup plus large et finalement une ouverture qui puisse dissiper tous mes préjugés par rapport au management. Et c'est vraiment cette ouverture-là que la formation m'a donnée. Alors vraiment, comme je le disais, une ouverture totale, je pense accentuée par le fait qu'en année de spécialisation, j'ai fait le DAS en management durable, qui est vraiment une approche 360, aussi une approche très très proche de l'éthique et des valeurs que moi-même je défends dans mon activité culturelle. Et c'est vraiment cette approche extrêmement large que j'ai obtenue et que j'ai beaucoup appréciée. Alors de beaucoup mieux cerner mes interlocuteurs, de beaucoup mieux les comprendre et finalement d'être beaucoup plus ouvert par rapport à l'expérience de l'autre et à la pratique professionnelle de l'autre. Finalement, ce que l'IMBA m'a donné, c'est une paire de lunettes de réalité augmentée qui me permet de voir la réalité de manière beaucoup plus large et avec beaucoup plus de couches que ce que je supposais avant la formation.